Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis super contente de vous retrouver en vidéo aujourd'hui, puisque j'ai reçu un méga colis de chez Shein. Donc, je pense que ça se dit comme ça, mais voilà, j'ai reçu un colis de chez eux. Donc, à la base, ce site ou cette application, si vous l'avez, il est très connu, tout le monde le connaît, je pense. Donc, à la base, c'est une boutique sur Internet qui vend principalement des vêtements. Donc c'est un site que je passais régulièrement commande pour des vêtements et j'ai découvert récemment qu'ils vendaient aussi du diamant peinti. Donc c'est la toute première fois que j'ai tombé dessus en fait et évidemment j'ai craqué puisque vous allez voir à propos des prix c'est juste un truc de fou. Donc j'ai reçu le gros colis qui est ici. Alors je l'ai ouvert puisque je ne savais pas ce que c'était. Surtout que je ne m'y attendais pas de le recevoir aujourd'hui. Puisque pour vous dire, je vais vous dire, je l'ai commandé le 23 mars. Voilà. Et aujourd'hui nous sommes le 30 mars. Donc à la base c'était prévu le 7 avril. Donc je l'ai reçu bien 2 semaines avant. Donc je suis surpris. Surprise! Donc ça va faire 1 semaine pile poil en fait. Donc voilà, vraiment je suis vraiment ravie. Donc d'après la liste que j'ai fait, il y a 17 articles. Donc voilà, donc c'est uniquement du DP. Il y a juste un accessoire pour mes filles, mais le reste c'est que du DP. Donc c'est parti, on va vous montrer ça. Donc c'est la toute première fois que je commande chez eux. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait en sorte de prendre uniquement des modèles avec pas beaucoup de détails. Puisqu'il faut savoir que sur Shein, vous ne pouvez pas choisir la taille, ce sont des tailles uniques et surtout ce sont uniquement des diamants ronds. Alors moi je suis plus préférente pour les diamants carrés, mais voilà, on aime bien alterner des fois, donc les diamants ronds ça me dérange pas. Donc voilà, donc bah écoutez, on va déballer tout ça. Donc j'ai mis mon carnet à côté pour vous mettre les prix. Mais si vous voulez le minimum d'une toile. Et de 2,98 € et le maximum 3,96 €. Voilà, donc vous voyez, c'est des prix entre 2 € et 4 €. Vraiment, ça coûte pas cher. Donc, il y a différentes tailles, bien évidemment. Voilà, après, vous avez d'autres modèles aussi sur leur site. Donc, je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Et puis voilà, alors pour cette commande, j'en ai eu pour 40 € en sachant que j'avais une réduction de moins de 20% en passant par l'application. Donc des fois, c'est plus avantageux de passer par l'application que passer par le site internet. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va vous montrer tout ça. Alors c'est dans un emballage comme ça. Et à l'intérieur, vous avez tous les effets. Voilà, donc j'ai pris évidemment aussi des petits accessoires. Donc on a un DP, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et puis j'ai pris également des petits accessoires aussi. Voilà, donc au total, il y a 13 épées et 4 petits accessoires. Donc ça fait bien 17. Alors, c'est parti. On va commencer par les épées. Donc voilà, je vais vous montrer l'ensemble. Voilà, j'ai vraiment fait un coup folie. Mais pour 40 €, franchement, je ne me suis pas privée quoi. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ça. J'essaie de faire de la place. Alors, on a le tout premier. Alors, tous les DP ont un film transparent, à ce que je vois. Et ils sont tous dans des emballages comme ça. Donc c'est parti. Alors, je ne vais pas vous détailler à chaque fois, mais vous verrez que dans chaque DP, vous avez également une barquette verte avec le petit stylet rose. Et vous avez également une petite colle à wash. Et vous avez des petits sachets transparents comme ça. Ça, c'est top. Alors, moi, je ne me sers plus trop de la barquette verte puisque maintenant, j'ai ma propre barquette. Mais voilà pour les petits kits de base, en fait. Donc... Alors, premier DP, donc je vais vous baisser la caméra, comme ça fera beaucoup mieux.
Et puis en même temps, évidemment, je vous donnerai les prix puisque j'ai mon carnet à côté. Donc je vais essayer de repérer et je vous donnerai les prix. Donc c'est parti. Alors, la toute première toile. Alors, on a les diamants spéciaux. Donc je vais vous montrer. Voilà, elle est juste magnifique. Vous pouvez voir, elle est franchement, elle est magnifique. Celle-là, j'avais craqué. C'est le premier modèle que j'avais repéré. Il est juste magnifique. Alors, au niveau de la colle, alors ça colle très très bien. En plus, c'est du diamant spéciaux. Donc, on a une taille 30 par 30. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment 30 par 30 la taille de la toile ou vraiment qu'une image, mais je pense que c'est uniquement, je pense pas que ce soit une image. On va regarder ça. Alors ouais, c'est la toile qui fait 30 par 30. Mais sinon, au niveau de l'image, voilà, on est à peu près 23 par 23. Donc voilà, donc c'est uniquement la toile qui fait 30 par 30 et l'image est un peu plus petite. Mais quand on regarde le modèle, c'est juste magnifique. Ensuite, on a les sachets avec les diamants spéciaux. Voilà, je vous montre de plus près. Donc voilà, vraiment ravie pour cette première toile. En plus, on peut voir que la toile est pailletée. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais la toile est pailletée. Donc ça, c'est juste génial. Voilà pour ce premier modèle. Alors, ce premier modèle, le hibou, il a coûté 3,20 €. Bon, ça va, ça reste des prix assez corrects. Ensuite, on passe à la deuxième. Donc là, c'est une toile qui fait 30 par 40. Donc pareil, on a également les coupelles, la barquette, tout ça. Au niveau des diamants, donc ce sont des diamants ronds. Voilà, toute la toile, ce sont des diamants ronds. Donc je vous montre la couleur. Ensuite, le modèle. Alors là, je suis dégoûtée, mais la toile a été complètement pliée. Donc ça va, ça n'a pas fait trop de dégâts. Il n'y a absolument pas de rivière, mais c'est uniquement le film. Alors j'ai l'impression qu'au niveau du film de la protection, c'est un peu plus épais que chez AliExpress. Enfin, c'est pas du tout le même. Donc la colle, elle colle hyper bien. Voilà pour cette première toile. Alors, s'il s'agit d'un petit paysage, je vous montre la photo de plus près. Voilà, donc en fait, c'est un petit pont avec les paysages automne. Moi, j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc là, ça a l'air d'être un peu pixelé, mais je pense qu'une fois qu'il y aura les diamants, ça se verra plus trop. Donc, on a également la référence DMC avec les symboles. Donc là, on a des chiffres et des lettres pour l'instant. Et on a 25 couleurs pour cette toile. Bon voilà, donc ça c'est une toile qui fait 30 par 40. Mais je pense que c'est pareil, c'est 30 par 40 avec les bords. Mais pour cette première toile, franchement, nickel. Alors, cette toile, j'essaye de retrouver les prix à côté. Elle fait 3,20 €. Ensuite, troisième toile. Ce qui est top, c'est le fait que ce soit la protection transparente, comme ça je peux vous montrer directement sans forcément enlever. Il faut savoir que toutes les toiles ont des paillettes. Donc ça c'est magnifique. Alors, pareil, le kit de base. Ensuite, là, on est dans des couleurs d'automne. Voilà, vraiment magnifique. Donc, première toile. Franchement, j'ai un peu peur du résultat. Non, ça a l'air très très bien. Donc là, on voit le petit pont avec le coucher du soleil, les petits oiseaux. Non, franchement, je suis ravie. Il n'y a pas trop de il y a pas trop de détails en fait. Voilà, j'ai essayé de prendre vraiment des toiles. Il n'y a pas trop de détails. Donc, je vous montre une image de plus près. Voilà, c'est un petit pont avec le coucher du soleil. Mais vraiment ravie pour cette toile. Donc là, on a également 25 couleurs. Également avec le tableau. Par contre, on ne peut pas contrôler des diamants. Donc je pense que. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de manque.
Donc, on verra bien pour ça. Au niveau de la qualité de la toile, il n'y a pas de rivière. Franchement, c'est assez juste top. Donc voilà, ce que vous voyez, les traits, c'est le film de protection. Mais sinon, pareil pour la colle, ça colle très très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau du film transparent, ça n'a rien à voir. Voilà pour cette troisième toile. Alors, celle-ci, elle a coûté 3,20 € aussi. Ensuite, quatrième toile. C'est un 30 par 40 aussi. Ah bah du coup là on a les sachets qui ne sont pas emballés, donc je vais pouvoir vous montrer. Voilà, alors au niveau de la qualité des diamants, franchement elles sont nickel, j'ai vraiment rien à dire. Il n'y a pas de trous, pas de tasse, il n'y a pas de déchets. Bon, franchement, en plus les diamants elles brillent, mais nickel pour les diamants. Alors, celui-là, il s'agit du hibou. Alors celui-là, j'ai craqué aussi. Alors je commence à prendre une passion pour les hiboux. Donc c'est une toile qui a 17 couleurs uniquement. Mais voilà pour cette toile, elle est magnifique. Donc là, on est dans les couleurs un peu pastel, marron. Je vous montre de plus près l'image. Voilà. Donc celle-là, je l'avais déjà repérée sur AliExpress, mais là, elle était sur le site. Donc du coup, j'en ai profité. Donc cette toile était à 3,20 € également. Voilà pour cette quatrième toile. Ensuite, une autre toile, alors celle-ci elle est à 3,41 € et c'est un 30 par 30. Donc pareil, on a le kit de base, tous les diamants dans le couleur bordeaux marron. Et donc celle-ci sera pour mettre dans ma cuisine. Donc voilà, c'est des petites tasses de café avec marqué coffee time. Voilà, avec trois tasses superposées, donc franchement magnifique de couleurs et tout. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc cette toile, elle a quatre couleurs aussi. C'est une toile qui a des paillettes aussi. Bon, ça colle très très bien. Et le film de protection. Voilà pour cette toile. Donc elle était à 3,41 €. Vraiment rien à dire. Quand je vois des petits prix comme ça, franchement, je me fais plaisir. Ensuite, une autre toile. Alors, j'ai vraiment essayé de prendre un peu de tout. Alors, malheureusement, il y avait aussi des toiles qui avaient beaucoup, beaucoup de détails. Et moi, c'est pas vraiment par rapport à la taille, les détails et tout. J'ai vraiment fait attention. Ensuite, celle-ci. Donc, on a également le kit de base. On a également les sachets de diamants. Donc voilà, tous les sachets sont dans des petits sachets comme ça. C'est dommage, ça aurait été bien dans des sachets dippés. Mais bon. Alors, celle-ci. Ah oui, celle-ci, c'est un bouquet de fleurs dans les tons pastels. Elle est magnifique. Voilà, franchement, voilà, des petits dépés comme ça. On peut se permettre de les avoir en petite taille. Franchement, là, on voit vraiment bien. Donc cette toile, il y a 26 couleurs. Donc je vous montre l'image. Mais même là, on voit très bien, c'est vraiment pas pixelé et tout. Et franchement, c'est magnifique dans les tons pastels comme ça. Moi, j'adore les tons pastels. Franchement, c'est des couleurs agréables à travailler. Donc voilà pour cette toile. Donc cette toile, elle a coûté 3,96 €. Ensuite, on a une toile qui fait 30 par 30. Donc pareil, on a les couteaux de base, les diamants ronds.
Et donc là, on a la petite bouche avec les papillons. Donc ça, ouais, j'avais déjà repéré quelque part. J'avais même vu les espèces de dieux et tout. Mais c'est sympa avec la petite bouche comme ça. Voilà, avec le fond en blanc et tout. Vraiment magnifique. Donc cette toile, elle a 31 couleurs par contre. Donc pareil, hein, vous avez vu sur toutes les toiles, on a la référence DMC avec les symboles et les numéros. Voilà, si vous notez sur votre boîte de rangement les numéros de 1 à 31, si vous mettez les symboles, ça dépend. Moi, je mets généralement les numéros, comme ça, ça m'évite de changer d'étiquette. Mais voilà pour cette toile. Alors, cette toile, elle a coûté 2,98€. Donc ça, c'est correct. Celle-ci. Alors, pareil, on a les cristaux de base. On a les diamants. Au niveau de la toile. Alors, c'est un 30 par 40. Alors, cette toile, elle est très très fine par contre. Enfin, je la trouve très très fine. Mais le film de protection est très très épaisse. Au niveau de la colle, pas de particulier à dire, mais la toile est différente. Donc celle-ci, on a un paysage sur le sable, franchement magnifique. Donc voilà, donc ça a l'air d'être pixelé comme ça, mais je pense qu'une fois les diamants, ça se verra moins. Enfin, j'espère. Donc là, nous avons 25 couleurs. Donc, je vous montre l'image. Bon voilà pour cette toile. Alors, cette toile, elle était à 3,20€. Voilà, ça tourne à peu près autour de ces prix-là pour une toile de 30 par 40. Ensuite, là. Ah oui, celle-là, j'ai craqué aussi. Donc pareil, kit de base, les diamants. Donc là, on a beaucoup de jaune puisqu'il s'agit d'une toile de tournesol. Mais elle est magnifique. Franchement, j'ai craqué pour celle-là. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est une toile qui fait 30 par 30. Donc bien évidemment, hein, c'est 30 par 30 avec le bord. Mais franchement, elle est juste magnifique cette toile. Donc on a 17 couleurs. Donc pareil, ça colle très très bien. Mais elle est magnifique. Franchement, celle-là, j'ai eu un coup de cœur pour le tournesol. Puis avec les beaux jours qui arrivent et tout, ça tombe super bien. Celle-là, elle est magnifique. Encadrée et tout, franchement, elle serait top. Alors, cette toile, elle était à 2,90€. Ensuite, il nous reste 4 toiles encore. Alors, c'est une toile qui est 30 par 30. Donc, pareil, le kit de base, les diamants. Donc là, on a beaucoup de couleurs, par contre. Ah oui. Donc, celle-ci, on l'envoie partout. Donc, c'est un verre sur une sable, en fait, avec un petit coquillage. Donc, celle-ci, elle a 29 couleurs. Et donc... celle-là, elle a coûté 1,71€. Ah ben voilà, là on a un prix un peu plus bas. Donc celle-ci, elle était à 1,71€. Donc c'est la toile la moins chère que j'ai pris. Donc voilà pour cette toile. Ensuite... alors, celle-ci, elle fait 30 par 30. Donc, on a également les kits de base et tous les diamants. Donc, celle-ci, c'est un hérisson. Donc, on l'envoie un peu partout et moi, j'adore. J'adore ces petits animaux comme ça, avec les petits papillons et les petites fleurs. Donc, ça, ce sont les succulentes. Franchement, elle est magnifique. Donc là, on a une 30 par 30 et elle a 28 couleurs également. Donc là, la toile, elle est un peu plus épaisse par rapport à celle que je vous ai montrée, je ne sais plus laquelle, qui avait l'air d'être plus fine, mais celle-là, elle est plus épaisse. Ça colle très très bien.
Mais voilà pour cette petite toile. Elle est magnifique. Franchement, moi j'adore les faire des petites toiles comme ça quand il n'y a pas trop de détails, puisque c'est plus facile à faire et ça va beaucoup plus vite par rapport aux grandes toiles que j'ai. Ensuite, celle-ci. Ah oui, celle-ci. Ah, là, cette fois-ci, nous avons le kit de base, mais les diamants sont dans des sachets. Voilà, donc c'est assez top. Ils sont dans des sachets vipés. Voilà, ça change. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis dans les sachets vipés, ou alors c'est une nouveauté, je ne sais pas. Donc là, on pouvait voir toutes les couleurs. Et donc, pour cette toile, il s'agit d'une succulente. Alors, moi, j'adore les plantes succulentes, mais celle-ci, elle est magnifique. Voilà, donc c'est une toile qui a 34 couleurs, donc elle a pas mal de vert, de nuances vert, mais elle est magnifique. Alors, celle-ci, elle a coûté 3,41 €. Alors, pour le hérisson, je ne sais pas si je vous l'avais dit, l'hérisson était à 2,98 €. Voilà, et celle-ci est à 3,41 €. Ensuite, dernière toile. Alors, dernière toile, il s'agit d'un petit tableau. Donc, pareil, nous avons le kit de base. On a les diamants dans les sachets. Donc, celle-ci, c'est un petit tableau avec marqué Family. Famille, bon après moi je suis pas très anglais, donc là il y a marqué love dans le petit cœur. Donc c'est une toile qui fait 30 par 30, elle a 19 couleurs, mais elle est magnifique. Enfin voilà, vous m'avez compris, toutes les toiles sont magnifiques. Donc voilà pour cette dernière toile. Alors cette toile, elle a coûté 2,98 €. Voilà, donc ça reste les prix assez corrects. Donc oui, vous allez sûrement me poser la question de ces toiles. Donc forcément, là, je les replie pour faire plus vite à la caméra. Mais sinon, je vais les mettre à plat pour que ce soit bien à plat, qu'il n'y ait plus de rivière et tout. Donc je vais vous rebasculer la caméra. Donc voilà pour toutes les toiles que je vais vous démontrer. Donc comme vous pouvez voir, les prix sont vachement accessibles. C'est vraiment pas cher. Et voilà, on peut se permettre de se faire plaisir à des petits prix comme ça, en sachant que si sur AliExpress les prix varient. Mais moi je voulais vraiment tester la qualité sur ce site. Donc j'ai pas tardé à commencer une toile et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement je suis vraiment ravie pour ces toiles. Donc pour 40 € en plus, il y a les accessoires que je vais vous montrer. Mais je crois que j'ai fait l'erreur, puisque en fait je pensais que c'était des stylets. Mais je vais vous montrer, je vais tout déballer, mais je pense que c'est des stylos. Je pensais que c'était des stylets pour les diamants peints, mais je crois pas, je crois que c'est des stylos. Donc je vais regarder ça. Donc voilà, donc j'ai pris le premier avec le petit diamant, il est juste magnifique. Et on a également des petites perles. Voilà, alors c'est un stylo, c'est ce que je disais. Donc voilà, donc s'il s'agit bien d'un stylo, bon c'est pas trop grave, je pourrais l'ajouter en petit cadeau dans les swaps que je fais, puis ça fait vraiment en rapport avec les diamants. Mais voilà, il est juste magnifique avec le stylet, donc je vais voir, ouais, stylet noir. Mais voilà, donc ça c'était pas très cher, ça a coûté 1,49 €. Voilà, pour ce stylet. Ensuite, j'en ai pris également un en rose. Donc, le rose, pareil, était à 1,49 € aussi. Donc, c'est exactement le même que le blanc. Voilà, donc on a également le diamant rouge. Donc, c'est le stylo noir. Mais voilà, je trouve ça sympa à offrir en cadeau. Donc, je pense que je les rajouterai dans les swaps. Mais voilà, donc ça, c'est super sympa. Ensuite là il y avait un lot de 3 stylos aussi, donc je pense que c'est des stylos aussi, mais pas des stylés, puisque quand je vois la pointe, voilà. Donc celle-là, elles ont coûté 3,83 €. Alors
on en a également une autre en or rose. Franchement, elle est magnifique. Voilà, avec son petit diamant et les stylos. Bon, ouais, je pense que c'est tout du noir, mais voilà, elle est magnifique. Ensuite, on en a un autre à pailleter. Alors, ça, c'est bien parce que vous avez des stylos, en fait. Vous voyez, il y a des paillettes. Et après, on a plein de paillettes dans les mains. Et celle-ci, non. Donc, voilà, on a un petit bouton. Mais voilà. Et le petit dernier. Donc là, on a également le diamant. Et c'est également à poids. Donc, elle est beaucoup plus fine que les autres. Franchement, l'encre est super. Voilà pour ce dernier stylo. Puisque il ne s'agit pas d'un stylet pour les diamants peintis. Mais bon, c'est pas grave. J'offrirai ça en petit cadeau. Ou même moi, je vais en garder un pour mettre dans mon atelier. Avec le petit diamant, c'est sympa. Voilà. Et j'ai également pris une accessoire pour mes filles. Avec les beaux jours qui arrivent. Voilà, quand elles viendront pendant les vacances d'été. Donc j'ai pris des espèces d'élastiques pour attacher quand elle adore faire des couettes. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, on a un petit chouchou nœud papillon. Voilà, donc, de toute façon, moi j'avais déjà commandé pas mal de choses pour mes filles. Donc là, on a différentes couleurs. Donc on a également celui-là, c'est trop mignon. Et celui-ci. Voilà, donc on en a deux de chaque. Donc il y en a 8 au total. Voilà, donc au total, il y en a 8. Donc celle-ci, elle m'a coûté 1 euro. Donc vous voyez, vraiment, c'est pas cher. Et puis, pour les petits détails, c'est juste trop mignon, quoi. Et mes filles, elles adorent se coiffer. Elles adorent que je leur coiffe, que je leur fasse des tresses et tout. Ou des couettes. Et c'est sympa de rajouter des petits élastiques comme ça. Voilà, j'avais commandé ça avant d'avoir le résultat du jugement. Mais bon, malheureusement... Bon, après, c'est pas grave, ça fera des petits souvenirs quand elles viendront en vacances ici. Mais bon. Voilà pour tout ça. Donc, franchement, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, chaîne, j'avais déjà commandé pour des vêtements, des accessoires, enfin tout. Donc, j'ai toujours été vraiment ravie de chez eux. Et là, pour l'étoile, je suis vraiment ravie. Je m'attendais pas surtout à recevoir maintenant, puisque c'était prévu que dans une semaine et demie, deux à peu près. Et du coup, bah là, j'ai vraiment reçu et je suis vraiment ravie. Les toiles, elles sont magnifiques. Et n'hésitez pas à aller voir sur leur site, il y a vraiment d'autres toiles. Je ne sais pas s'ils changent régulièrement, puisque c'est vrai que chaque jour, quand j'y suis allée, il n'y avait pas du tout les mêmes toiles. Enfin, c'était pas sur les mêmes pages, donc je pense qu'ils actualisent un peu chaque jour. Donc voilà, mais bon, toutes les modèles y sont encore. Je vous mettrai tous les liens en barre d'information, bien évidemment, si vous voulez retrouver les toiles que je vous ai montrées pour éviter de rechercher et tout. Donc je vous mettrai tout en barre d'information les liens de chaque toile. Et puis voilà, donc surtout restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne puisque un concours va arriver prochainement. Donc je ne vous dis pas de quelle toile, mais je pense que je vous ferai gagner une toile de chez Chaîne. Pour vous remercier d'être toujours présent et pour vous remercier d'avoir été là, de m'avoir soutenu dans les durs moments qui s'est passé récemment par rapport à mes filles et à Wana. Voilà, il y a eu tellement de choses, donc je voulais vraiment remercier à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime sous ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis restez connectés puisqu'il y aura un concours très prochainement pour vous remercier. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça change un peu de l'ordinaire, puisque voilà, c'est une chaîne, et puis d'avoir 13 étoiles. Donc voilà, c'est la première fois que je craque autant. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!